Vous avez entendu, Boudica? On monte la garde, on pose des pièges, on doit ouvrir l'œil. Il y a des signes d'activité romaine dans toute la région. Ils ont perdu leur général et ils vont tout faire pour le récupérer. Si vous entendez quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, donnez l'alarme. Des questions. À l'attaque! Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est perdu? Par les dieux, quel destin est-ce là? Mourir étranglé ou pris au piège? Ça devait être la 4e Légion. Envoyé ici pour chasser des fantômes. Tu patrouilles dans la forêt parce que t'es un idiot. Ouais, un robot. Terminé. Dommage. Viens
signalé une légion romaine qui tenterait de prendre l'Aqueduc. Ça m'étonnerait qu'ils survivent aux archers postés par Boudica là-haut. Alors on se contente de patrouiller la forêt pour s'assurer qu'aucun roi... À l'attaque ! Les légions romains... De ce côté, leur légion approche. Positionne tes archers au bord de la route. Et préparez-vous à tirer à mon commandement. À vos ordres. Je dois pouvoir monter par là. Dépêche-toi de le tuer.
Ensuite, retourne en finir avec sa légion. En venant ici, tu as signé ton arrêt de mort. Vous avez trahi Rome. Vous avez tué des femmes et des enfants, tous innocents. Et comment crois-tu que ton empire a été bâti? On ne vous a pas demandé de venir ici. Je suis prête à tout pour vous prendre. Ah!
Je dois faire vite. La ligne ne tiendra pas longtemps. Thank you.
Vulk. Comment, démon? Vous n'avez pas le droit d'être ici. Vous souillez notre corps. Gare, emparez-vous d'eux. Jamais la paix si nous les traitons ainsi. Ce doit être l'œuvre des prétoriens.
Halte ! Frère Romain, je vous présente Basilius, le fils de l'Empereur. Commandant Vitalian, vous arrivez à point nommé, bravo. Quelques instants plus tard, et vous auriez manqué les réjouissances. J'espère que votre voyage n'a pas été trop difficile. Sire, permettez-moi... La garde prétorienne va prendre la relève. Garde, occupez-vous du barbare. Sire, je m'élève contre... Vous l'ignoreriez. Nous sommes toujours sans nouvelles de mon frère Commodus. J'ai bien l'intention de découvrir ce que ces sauvages lui ont fait. Nous, les Bretons, vivions en paix sous le règne du vieux chef romain. Mais ce nouveau chef Commodus, fils de votre empereur, est abject. Il mérite réellement son sort. Je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien, voilà qui prouve que Bretons et Romains n'aiment pas de la même manière. Votre fille. C'est une vraie beauté. Fouettez-la jusqu'à ce qu'il parle, ou qu'elle meure. Advienne que pourra. Non ! Tire ! Comment ? Posez-vous ! Osez-vous. Je suis le fils de l'empereur. Je fais ce que bon me semble. Pas ça ! Non ! Pitié ! Pas ça ! Je vais tout vous dire ! Nous avons livré le chef Commodus au roi des contrées du Nord. Par-delà le mur. Pitié ! Relâchez ma fille! Je vous en supplie! Voyez! C'est le seul langage que ces barbares comprennent. Le langage de la force. Vous trouverez votre chef dans les sombres contrées par-delà le mur. Là où les montagnes désolées plongent dans les lacs obscurs et sans fond. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Comme c'est fascinant. Commandant Vitalian, j'ai une mission pour vous. Conduisez vos hommes au nord vers ces montagnes désolées. Et ramenez mon frère. Garde. Enfermez les prisonniers. Prépare les hommes. Vous entendez, commandant ? Préparez-vous à marcher. Centurion. Nous partons au nord. À vos ordres. Vitalian mena nos forces au nord, par-delà les frontières de l'Empire, aux confins du monde. Nous affrontâmes des guerriers mi-hommes, mi-bêtes, tellement redoutables que même les légions d'élite romaine n'avaient pu les soumettre. Les paroles d'Oswald nous revenaient à mesure que nous nous enfoncions dans l'obscurité. Des êtres d'un autre âge hantent ce pays, et parmi ceux qui s'y aventurent, peu reviennent. Le fort de Glotte. On raconte que ce sont les portes de l'enfer, un lieu lugubre plongé dans des flammes éternelles. Je crains que ce qui se passe ici, aux confins du monde, touche bientôt le cœur de l'Empire. Ingénieur, mouillez les pots. Antonius, vérifie les cordes. Otto, ajuste les poutres. On s'écarte à 10 heures. À vos ordres.